Alors, ça, c'est un spectacle d'une rare poésie. Il a beaucoup de talent. Voici Xavier Mortimer. Xavier, merci d'être là. Il y a un micro ici. Alors Xavier, donc, il est à partir du 16 octobre au théâtre La Bruyère. Racontez-moi, quel âge avez-vous, Xavier? J'ai 29 ans et je viens du Périgord. Périgord noir. C'est ça. Je suis désolé, la Dordogne. Mais pourquoi? Je laisse récupérer. C'est super balèze. Oui. C'est super balèze. Ce qui est formidable, c'est d'utiliser la magie, le mime, et puis de le scénariser autrement comme ça. Je trouve ça épatant. Bravo. Alors, c'est un spectacle de... et avec Xavier Mortimer, musique Benjamin Dubos. Alors, Jean-Paul Rollin fait la mise en scène. Voilà. Et vous avez fait l'école du mime, l'école du cirque, qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça, j'ai fait un petit peu beaucoup de choses, des choses dont j'avais envie, de la danse, de la musique, du théâtre. Et il joue de 6 instruments différents dans le spectacle. À un moment, il joue tout en même temps, il a une clarinette, il joue en même temps de l'accordéon. Oui, parce que vous avez commencé par la clarinette en plus. C'est ça, en fait, j'ai eu une formation tout jeune de clarinette. Je m'intéressais plus ou moins à la musique, mais vraiment, c'était le cirque et la magie qui me passionnait. Puis d'un coup, je me suis dit, tiens, mais pourquoi j'écrirais pas mes musiques? Et j'ai commencé, donc avec Benjamin, on a écrit les musiques du spectacle. Et ça, il faut juste savoir pour nous dire, c'est-à-dire que ce numéro, on a décidé il y a 4 jours de le faire ici, et avant-hier, il a composé la musique pour le numéro, et donc c'est lui qui écrit ses musiques, et rapidement, et à quoi... Enfin, moi, quand j'ai vu le spectacle, et j'ai une formation de magicien, donc vraiment, ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps de me dire, ce spectacle est incroyable, vraiment. Vous êtes passé également par La Rochelle? Oui, voilà, j'ai fait de la danse, j'étais au conservatoire de danse et de musique de La Rochelle. Comme moi. Oui. J'ai du diabète. Merci beaucoup, on applaudit Xavier Mort. Bravo.